roi légitime. C'est là l'épreuve de Bahamut, celle que je dois t'imposer.
bras. Ils m'attendent à Hammerhead. J'arrive, les gars. J'ai passé combien de temps là-bas? Il n'y a pas une âme. Des démons. Je pensais pas en voir ici.
J'espère qu'il va bien. Qu'est-ce qu'il y a, Uma? Quelque chose approche. Une voiture? Ouais? C'est moi, Talcott. Mon grand-père était au service de la famille Amicitia. Talcott? Oui? C'est pas vrai. Eh ben si, j'ai failli ne pas vous reconnaître non plus. Oui. Oui. C'est ça. Hein? Ah, Seigneur Noctis, ils veulent vous parler. On parlera quand on se verra. Ils préfèrent attendre de vous voir. Oui. D'accord. À plus. On se retrouve enfin. Ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Tu as beaucoup grandi. C'est un peu normal. Ça fait déjà 10 ans. 10 ans. Après tant d'années, les autres doivent être fous de joie. Ils vivent où maintenant? La plupart du temps à l'Estaloum. Mais ils vont souvent à Hammerhead. Ah bon? Ouais. Pour aider Cindy. Elle s'occupe toujours du garage.
Il l'accompagne quand elle doit aller bosser dehors, pour la protéger et porter des trucs lourds quand il y a besoin. Je vois. Au fait, ils ont dit qu'ils étaient pas très loin d'Hammerhead, alors du coup on a décidé de tous se retrouver là-bas. Depuis le jour où vous avez disparu, il fait nuit noire 24 heures sur 24. Il y a encore de la lumière à l'Estaloum grâce au météore. La plupart des survivants se réfugient là-bas. Et ailleurs ? Les démons sont partout et attaquent tout ce qui bouge. Il n'y a pratiquement plus que des ruines maintenant. Il y a toujours Hammerhead, même si en fait le garage n'est que rarement ouvert par manque de clients. C'est surtout une sorte de base pour les chasseurs de démons. Il y a pas mal de passages. Le commerce marche encore relativement bien, ce qui est plutôt rare vu la situation. Ah, et Sid, il va bien ? Oui, il tient le coup. Mais il est souvent malade, à vrai dire. Il a plus trop la forme depuis quelques temps. Peut-être parce qu'il est forcé de vivre à l'Estaloum. On lui a bien proposé de déménager le garage aussi, mais... il a refusé net en disant que c'était hors de question. Il était dans tous ses états. Il a dit que la place de son garage, c'était Hammerhead et pas ailleurs. Ça m'étonne pas du tout de lui. Cindy n'y voit aucun inconvénient, alors le garage va rester où il est pour l'instant. Sid n'a plus rien à faire, si ce n'est attendre avec impatience les plats de poisson frais que lui apporte Ignis. C'est son seul plaisir. Avec tous ces démons... la vie est dure. Ils ont fait énormément de victimes. Iris et Kor font tout leur possible pour chasser ces monstres. Ils acceptent des contrats un peu partout. Et puis, Gladio et les autres ne ratent pas une occasion de les aider, évidemment. Prompto s'occupe surtout des environs d'Hammerhead, bien sûr. Malheureusement pour lui, Cindy n'a Dieu que pour son propre travail. Et Ignis ? Il les aide. Les autres ont essayé de l'en empêcher au début, mais il leur a dit que puisqu'il faisait noir, il y verrait pas vraiment moins qu'eux. Il est toujours aveugle. Oui, toujours. Enfin, malgré ça, il a quand même l'air de s'en sortir très bien tout seul. Là, c'est plus pareil. En fait, Gladio, Prompto et Ignis travaillent souvent séparément, comparé à avant. Ils font chacun leur boulot de leur côté. Parfois, ils se retrouvent ensemble, mais franchement, c'est plutôt par hasard. Ah, bon. Ça y est. On est arrivé, Votre Majesté. Ça va leur faire vraiment plaisir de vous revoir. Je vais rester ici encore un petit peu. Si vous avez quelque chose à me demander, je suis à votre disposition. Salut. Comment ça, salut ? T'as rien de mieux à dire après tout ce temps ? Noct, mon vieux ! Alors t'es vraiment revenu ? Qu'est-ce que tu crois ? Évidemment. Ça fait un bail qu'on t'attend. Désolé pour ça. Il faut qu'on parle sérieusement. Allons à l'intérieur. Bienvenue. Au plaisir.
Cette fois, ça y est. Le moment est venu de rentrer chez nous. On va enfin pouvoir mettre nos uniformes. Soyons-en dignes. Ouais. Mais vous devrez peut-être rentrer le ventre. Franchement, ça fait drôle de revenir ici. Tu l'as dit. On a tellement attendu cet instant. Ouais, c'est vrai. Et je compte sur vous pour m'accompagner. Ouais. Évidemment. Pas besoin de demander. Maintenant, il est temps d'en finir. Sur vous. En avant. Merde. Désolé. Bien. Quel est le programme? Toujours le même. Pronto. Ok. C'était une belle leçon, Doc. C'est bon de se retrouver tous les quatre, comme il y a 10 ans. Ça rappelle plein de souvenirs. Et maintenant, on doit être assez fort pour affronter... D'après ce que j'ai compris, il devrait y avoir des lames royales dans le coin. Hein? Comment ça? Apparemment, ils ont installé une base d'éclaireurs pour éliminer les démons. Bien. C'est transformé. Ça. Franchement, en version statue. Quel cauchemar. C'est bon de se faire rien. Là, c'est clé. Une rafale de balles, ça fait mal. Les gars, on va compter fort. On y est presque. Ah !
de balles, ça fait mal. Continue comme ça. On fait encore une sacrée équipe après toutes ces années. Tu dis ça comme si on était vieux. On va faire tous bonifier en prenant de la peine. C'est pas faux. C'était une belle leçon, là. Ouais. Une rafale de balles, ça fait mal. Bien joué, Kanto. Mal. Beau travail. En effet. Allons-y. À vos ordres, votre majesté. Ravager notre quartier. Bien. Et les gros sera réglé, on en rebâtira une encore mieux. On y arrivera. Comme Prends-toi. Hack. La fin de balle, ça fait mal. Bien joué, Prends-toi. Bien vu, Cadio. Ok. Allez. Ouais. Bien joué. Je crois que c'est l'heure de se dire adieu. Bien joué. Une rafale de balles, ça fait mal. Bien joué, Tonto. Ok. On peut faire des adieux, allez! Il y en a vraiment beaucoup là. En effet, ça fait des heures que je les combats. Allez, j'aurais quand même pu se retenir. Tu y es! Allons, finis par parler. Disparais, on dit! Je m'en fous. Arrête de faire un bon sport, toi. Allez, allez, on en finit. Pas de quartier.
balles, ça fait mal. C'est gentil de remarquer. Toi, je vois que t'as toujours la force. Disparais. Ça va aller? Ouais, j'ai vu pire. Inutile de traîner par ici. Noctis, tu es revenu. Ça m'a pris 10 ans. Ne restons pas ici. Venez avec moi. Dis-moi, Cor, qu'est-ce que tu fais là? Les lames et moi... Ça fait très longtemps qu'on se bat ici. On attendait ton retour. Que tu viennes reprendre ton trône. On a une base. Elle se trouve juste là. Maintenant, c'est le seul et unique refuge qu'il nous reste. Par ici. Écoutez-moi tous! Le roi est de retour parmi nous! Majesté. Oh, je savais que vous reviendriez. Majesté! Majesté, vos lames sont là. Elles ont attendu votre retour, sans jamais désespérer. Chers frères et sœurs, fiers guerriers du Lucis, vous avez fait preuve de persévérance. Je vous remercie. De foi et d'abnégation. Les ténèbres ont peut-être recouvert le monde, mais elles ne parviendront jamais à submerger nos cœurs. Nous avons tous perdu nombre d'êtres chers. Nous sommes tous unis pour sauver notre avenir. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ramènerons la lumière de l'aube tous ensemble. Ouais. Gloire au roi de la lumière. Gloire au roi de la lumière. Le Lucis a enfin retrouvé son roi. On a foi en lui. Et ça a payé. Je le savais. Il s'en est montré digne. Tiens, je te donne ça. Okay. Grâce à elle, tu devrais pouvoir ouvrir la plupart des grilles des environs. Ah, super. On s'arrête là pour aujourd'hui. On a besoin de se reposer.
Je suis prêt. Allons-y. Pas trop tôt, j'ai failli attendre. Artin ! Bienvenue dans la capitale de mon nouveau royaume. Je vous ai préparé un petit cadeau. Bordel, qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, je crois qu'on peut commencer. Le mur que ton cher papa s'est chiné à maintenir au prix de sa propre énergie vitale. Ce ne serait pas drôle si je vous laissais entrer trop facilement, alors j'ai créé une petite imitation. Est-ce qu'il te plaît ? Tu vas me le payer ! Si quelqu'un doit payer, c'est plutôt toi !
Ah, au fait, j'ai placé un chien de garde à l'entrée de la citadelle. Tâchez de ne pas vous faire déchiqueter.